Bonsoir, cher public. Bonsoir. Honorable assistance. Nous nous réjouissons de nous retrouver à nouveau dans cette série de conférences animées meilleurement. Alors, comme vous le savez, nous vivons une période très particulière ces derniers mois. Compte tenu de la pandémie COVID-19, cette dernière qui a obligé tous les pays à travers le monde à des stratégies novatrices, excellentes, pour contourner cette crise sanitaire sans précédent. Le Maroc, bien évidemment, ne s'écarte pas de la règle. En développant, en adoptant, pardon, l'enseignement à distance, se prendre comme stratégie pour normalement contourner les conséquences de la crise sanitaire. C'est-à-dire, elle aussi s'inscrit sur la même voie, à travers des conférences, objectifs pédagogiques et éducatifs. Et aujourd'hui, nous recevons une invitée parmi la génération bâtisseurs de FADIC, c'est professeur Ekram Sreer. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que notre invité est professeur au secondaire qualifiant. Il est membre très actif au sein de FADIC, le domaine de la conception, spécialiste en ingénierie de formation en technologie éducative. La thématique autour de laquelle on va mener ensemble ce débat, c'est l'évaluation à distance, cette typologie, ça dépend de l'approche, pratique et contrainte. Alors, je rappelle également que notre invité s'est largement greffé au tissu associatif dans ce domaine et là, une sorte d'expérience. On l'a salué sur ce côté-là. C'est un humanisme très rayonnant. Et avant de donner la parole à notre invité, je rappelle que, cher public, les personnes intéressées qui me suivent, je prendrai en compte vos commentaires, vos questions, vos messages. Je prendrai note et ça sera toujours mis en évidence tout au long de la conversation. Alors, à vous la parole, professeur de Cranfer, et nous sommes honorés de vous recevoir. Merci. Merci, monsieur Sifdine. L'honneur est à moi. Merci à Fadi pour cette occasion. Ramadan Moubarak à tout le monde. Et donc, j'espère que cette rencontre va nous aider, nous permettre à apporter nos réflexions, les réflexions de tout le monde en ce temps de confinement sur les problématiques relatives à l'enseignement et l'évaluation à distance. Et donc, je commence mon exposé sur l'évaluation à distance, typologie, pratique et contrainte. Dans un premier temps, mon plan d'intervention est le suivant. Donc, je vais commencer par une introduction du contexte général et spécifique que notre cher collègue M. Sifdine a présenté. On va présenter ensuite quelques définitions, typologie et objectifs. Après, on va essayer de repérer les éléments et les spécificités qui distinguent l'évaluation à distance de l'évaluation qu'on a l'habitude de faire en classe. On va mettre l'accent sur quelques pratiques et leurs avantages. Après, les contraintes et les limites avant de conclure cet exposé. Et donc, je commence par le contexte général. Le contexte général, c'est en général l'évolution du concept de l'évaluation lui-même.
C'est-à-dire, parmi les évolutions que connaissent les théories d'apprentissage et les approches pédagogiques, on est passé de la transmission des connaissances à la mobilisation des connaissances. Et donc, l'évaluation doit suivre ce modèle. On parle aussi souvent de la formation et l'enseignement à distance. Donc, quand on parle d'enseignement à distance, on parle des approches nouvelles à l'enseignement. On parle aussi de la nécessité d'avoir des compétences techniques, de l'utilisation de multitudes de médias et bien sûr les plateformes d'apprentissage qu'on connaît, de LMS, SCMS, etc. et les outils de visioconférence. Notre contexte spécifique, c'est que le e-learning et la formation ou l'enseignement à distance est devenu maintenant ou actuellement une stratégie, voire une politique dans certaines universités, dans certains établissements scolaires. Et bien sûr, même ceux qui n'ont pas pensé avoir recours à ce mode d'enseignement l'ont fait maintenant à cause du Covid. C'est-à-dire, ce recours à ce mode est devenu, dans ce temps de confinement, une obligation et non un choix. Donc, pour commencer, on essaye toujours d'évaluer, puisque mes lectures sont en grande partie anglophones. J'ai essayé de repérer quelques lectures, différentes appellations de l'évaluation. Et donc, j'ai trouvé les deux appellations Evaluation, Assessment. Mais il y a une différence entre les deux termes, même dans la culture anglophone. La culture anglophone, je précise ici, c'est l'Amérique du Nord. Donc, mes lectures se sont un petit peu mis l'accent sur le Canada, l'Amérique du Nord en général, les États-Unis. Donc, l'évaluation, c'est une activité plus large, c'est-à-dire générique. Alors que l'assessment, c'est un outil de l'évaluation. C'est une partie de l'évaluation. Et parmi les questions qu'on se pose lorsqu'on a affaire à l'évaluation, c'est « Is it good enough? And if not, why not? » Est-ce que c'est assez bien? Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Alors que dans l'approche de l'assessment, on est en train de mesurer, c'est-à-dire on pose la question « how much ?» combien. Parmi les définitions intéressantes que j'ai trouvées, c'est de Keptel, l'évaluation est le processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables, puis à examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fonder la prise de décision. Et donc, vous pouvez voir là, il y a un ensemble de concepts clés. C'est-à-dire, le premier, c'est le processus. L'évaluation est un processus à lui seul qui se compose de différentes étapes. On va venir vers ça, retourner vers ça ultérieurement. Donc, il est question de recueillir des informations. Et pas n'importe quelle information, elles doivent être pertinentes, valides, fiables. Et d'où la nécessité d'élaborer des critères, de bien penser ces outils, de bien réfléchir sur les contenus à évaluer, etc. Puis à examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères. Donc, il est question d'évaluer scientifiquement, c'est-à-dire quand on s'appuie sur des critères, on est loin d'être impressionnistique. On se base pas sur nos impressions, mais sur un jugement bien fondé, scientifiquement parlant. Et donc, ça nous permet finalement de prendre une décision. Alors, l'évaluation en ligne, en quoi diffère-t-elle de l'évaluation classique? Il y a l'utilisation des moyens électroniques, c'est-à-dire l'envoi et la réception des évaluations et la correction par des moyens électroniques, ce qu'on appelle l'e-assessment. Il y a la mise en réseau, principalement sur Internet. Mais on ne va pas oublier que, par exemple, certains établissements travaillent sur un réseau local, un intranet, par exemple. Et il y a les évaluations soutenues par le web en général. Donc, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser sur le web pour l'évaluation. Le processus de l'évaluation, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, donc se compose en 4 étapes. Juste pour la référence, ce schéma a été élaboré en 1975 par Cardinet concernant l'évaluation classique. Mais il a été repris par Leroux et Belair en 2015 et il a été adapté à la formation à distance.
Donc, ça commence par quoi? Ça commence, quoique il y a, si vous faites attention aux flèches, c'est un processus qui revient cyclique, c'est-à-dire est systématique, on revient au départ. D'abord, il y a une intention. Dans cette phase d'intention, on doit définir les contenus, planifier l'évaluation et déterminer les moments et les outils. On passe à l'action, donc on passe à la mesure de ce qu'on veut tester ou évaluer. Donc, évaluer connaissances et compétences, bien sûr, en utilisant les moyens qu'on a déjà choisis. Après, il y a une phase de jugement. La jugement, c'est lorsque je prends le travail que j'ai évalué et je commence à interpréter, à corriger. Et bien sûr, ici, on a deux façons de faire, c'est-à-dire selon le type de l'évaluation, si c'était formatif, c'est-à-dire on a besoin d'aider l'étudiant à trouver les choses qu'il doit remédier, ou certificatif, c'est-à-dire on veut lui donner une note ou un certificat. Donc, ce jugement nous permet de prendre une décision, comme on a déjà vu dans la définition. Cette décision, soit on lui donne un certificat, soit on lui planifie un parcours individualisé, mais la décision est concertée, transparente, équitable et éclairée parce qu'elle est scientifiquement bien fondée. Donc, on ne peut pas parler d'un processus d'évaluation qui est comme ça aléatoire. Les typologies les plus connues, j'ai choisi deux. Bien sûr, on ne peut jamais prétendre l'exhaustivité. Donc, il y a la typologie qui se compose de trois niveaux. Le niveau macro, comme vous pouvez voir ici sur cette slide, le niveau méso et le niveau micro. Le niveau macro, c'est quand on a affaire à des programmes. On veut évaluer un programme, tout un programme, l'ensemble. Le niveau méso, c'est le niveau moyen, quand on a un cours. Dans notre cas, on parle de cours en ligne. Et le niveau micro, c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec nos étudiants, avec nos apprenants, avec nos élèves en général. C'est quand on parle des individus. Alors, au niveau macro, par exemple, qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer? Et pourquoi on fait cette évaluation? Justement, on essaye de justifier les investissements. Si on a un programme et on a investi dans ce programme, on veut voir le rapport des coûts avec l'efficacité, mesurer si les objectifs ont été atteints, mesurer l'efficacité du programme, la qualité du programme, et peut-être proposer des pistes d'amélioration, etc. Et peut-être modifier ou planifier de nouvelles stratégies dans le système éducatif. Quand on a affaire au niveau méso, donc on a la communication aux apprenants des objectifs. On va leur communiquer quels sont les objectifs de notre cours, et quels sont les critères, le contenu, la technique, la pédagogie, etc. Et on leur propose aussi leur feedback sur les méthodes d'évaluation, l'apport de la technologie, etc. Alors, le niveau micro qui nous intéresse en tant qu'enseignant le plus, c'est on a trois catégories. La première, c'est les perceptions des apprenants, c'est-à-dire leurs attitudes. Et ceci est généralement exécuté dans l'enseignement supérieur ou dans les MOOC. Par exemple, on donne aux personnes formées un questionnaire de satisfaction pour savoir leur degré de satisfaction vis-à-vis une formation, un module de formation, leurs perceptions, leurs attitudes, etc. Aussi important, c'est le processus d'apprentissage lui-même. On va tester, par exemple, quelques compétences telles la collaboration, les processus cognitifs, les processus métacognitifs, la résolution des problèmes, etc. Et tout, n'importe quel enseignant a affaire à ce type d'évaluation. C'est-à-dire, on recueille à la fin un produit final. Si je suis enseignante de langue, donc je peux avoir, par exemple, les copies de mes élèves dans la production écrite. Certaines matières, on a des projets de fin d'études ou des projets prêts à produire. Dans le BTS, on a des portfolios. Donc, généralement, le produit final nous permet de mesurer ce qu'on appelle les outputs. À la fin du cours, il nous permet d'évaluer aussi bien les savoirs que les compétences. Alors, la deuxième typologie sur laquelle je vais me concentrer par la suite, c'est l'évaluation, la typologie concernant quelle sorte d'évaluation on peut utiliser en classe.
et dans, ou en ligne, bien sûr. C'est l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Les enseignants sont déjà familiers, je pense, sont déjà familiarisés avec ces concepts. Donc, l'évaluation diagnostique, il y a quelques lectures où j'ai trouvé aussi pronostic. Donc, diagnostic, c'est pour l'apprenant et aussi c'est pour l'enseignant. Et en lecture anglophone, c'est assessment for learning. On passe, c'est diagnostic, vérifier les prérequis, etc. La deuxième, c'est l'évaluation formative qui se déroule au cours de l'ensemble de la formation. Elle est répétitive et le, bien sûr, le but est d'améliorer l'apprentissage. Et donc, c'est un processus continu et on l'appelle en anglais l'assessment as learning. Le dernier type est l'évaluation sommative qui est très connue et assessment of learning, c'est justement l'évaluation où le but principal est d'avoir des notes pour donner un certificat ou une note, c'est-à-dire réussir s'il va refaire le module, etc. Donc, parmi les objectifs et les finalités de l'évaluation en ligne, donc, il y a bien sûr le premier objectif que nous pouvons avoir en tête, c'est améliorer l'apprentissage. D'autres personnes ont proposé d'autres objectifs, par exemple, suivre de manière plus individuelle l'apprenant. Parce qu'on va parler par la suite que l'enseignement et l'évaluation en ligne nous permet de garder des traces sur la performance de chaque apprenant. Et donc, ça permet l'individualisation des apprentissages. Fournir de la rétroaction, donner des notes et motiver, identifier les forces et faiblesses d'un apprenant comme d'un cours, comme d'un programme, et finalement, individualiser les parcours pédagogiques. Ce sont parmi les objectifs, bien sûr. Alors, les spécificités de la formation en ligne, il y a la possibilité de la rétroaction et de l'auto-évaluation grâce au test autocorrigé. Donc, ça permet de, sur un clic, une personne, par exemple, donne les réponses à un questionnaire et reçoit le feedback immédiatement, c'est de l'auto-évaluation. Il y a aussi la possibilité d'échange avec les pairs et avec les enseignants. En termes d'activité, on peut parler de la diversité des activités d'évaluation qu'on peut avoir en ligne, que ce soit sur le plan qualitatif ou sur le plan quantitatif. Et ça nous permet également de tenir compte de certains styles d'apprentissage, de certaines différentes formes d'intelligence, de différents objectifs selon la taxonomie de Bloom et la taxonomie révisée. Donc, ce que j'ai en tête en parlant de ces diversités d'activités, parce qu'il y a des personnes qui vont dire on peut faire la même chose dans l'évaluation en classe. Mais en parlant des outils, je donne un exemple concret. Mes élèves, il y avait des élèves qui n'ont en classe de langue qui n'aiment pas participer en classe oralement. Mais ils ont beaucoup de talent de produire, par exemple, des films. Donc, au lieu de leur demander de présenter oralement leur, disons, un héros ou une biographie sur une personne qu'ils aiment, on peut leur demander de produire un film sur cette personne. Donc, l'exercice de la rédaction autobiographique, il a réussi, que ce soit par cet outil ou par cet outil-là. Donc, l'objectif est le même. C'est ça, c'est pourquoi j'ai parlé de diversité, du point de vue qualitatif comme quantitatif. Autre principe qu'on peut mettre en œuvre grâce à l'évaluation à distance, la collaboration, et je vais expliquer ça dans les pratiques, les possibilités de collaboration en ligne, la fréquence, c'est-à-dire un test peut être réalisé en maintes reprises. Directement après qu'une personne finit un test, par exemple, elle peut le refaire sur le champ s'il est automatisé. L'authenticité, donc il y a un concept d'évaluation authentique. L'authenticité, c'est qu'on essaie de mettre l'apprenant dans une situation réelle. Je donne exemple de simulation, par exemple, dans le contexte de la santé, dans le contexte de l'aéronautique, c'est-à-dire ils ont un examen et par les outils de simulation, ils peuvent réussir ce test ou ne pas le réussir, bien sûr, en utilisant ces produits en ligne. Les critères, c'est-à-dire on doit toujours élaborer des grilles d'évaluation qui peuvent être formulées ou bien de façon holistique ou analytique. Quelle est la différence entre les deux? Holistique, c'est-à-dire, holistic in English,
Ça veut dire qu'on essaie de formuler un ensemble de critères, et cet ensemble de critères-là, l'apprenant doit le satisfaire pour réussir. Alors que, c'est-à-dire pour le TOEFL, par exemple, il doit avoir obtenu au moins un certain nombre de points pour réussir. Ça, on parle de critères holistiques. Pour les critères analytiques, c'est comme les tests de positionnement de langue. Dans les centres de langue, plusieurs personnes passent le même test. Et bien sûr, ils répondent différemment et chacun a un niveau. Donc, ça permet de classer, c'est-à-dire chaque ensemble de questions ou de notes et permet à l'apprenant de le classer, permet aux évaluateurs surtout de classer l'apprenant à un certain niveau. Voilà. Donc, quelles sont les pratiques? J'ai trouvé très utile cette ressource que j'ai mise en bas de ma diapositive, si vous voulez consulter le document, et ça concerne les formes d'évaluation courante en ligne. Bien sûr, le tableau est assez chargé, et donc on va prendre l'exemple de quelques éléments de ce tableau et les expliciter, et on pourra laisser les autres pour la discussion si vous voulez. Donc, si on parle en termes de réponses choisies, il y a les QCM, les questions à choix multiples. Il y a par exemple les questions ou les réponses à classer, c'est-à-dire on donne en désordre et on demande de classer. Il y a les questions vraies ou faux, et ce sont les réponses automatisées qu'on peut utiliser dans cette forme d'évaluation. Il y a l'évaluation en forme, sous forme d'essai. Donc, il y a l'analyse critique et j'ai apprécié l'idée de la carte conceptuelle parce que c'est quand même produire une carte conceptuelle, c'est un effort de production. Donc, pour chacun peut produire une carte conceptuelle différente des autres selon sa propre analyse de la chose. Et donc, c'est un exercice assez intéressant. Il y a pour les niveaux un petit peu, disons, développés dans l'enseignement supérieur ou dans certaines professions, c'est rédiger le rapport de stage, le mémoire. Il y a les revues de littérature, les synthèses, les résumés, les comptes rendus, etc. L'évaluation de la performance, on peut demander à l'apprenant de faire une démonstration. C'est-à-dire, en ligne, je vais tester un apprenant sur ses compétences d'utiliser un logiciel. Donc, mon exercice consiste à demander à cet apprenant de produire une vidéo, un film court, où il démontre l'utilisation de ce logiciel, disons de statistiques ou n'importe quel logiciel. Il y a l'intéressant portfolio, pardon. Le portfolio, c'est une collection. On a toujours le portfolio dans le système éducatif des pays développés, par exemple les États-Unis, le Canada, etc. Donc, parce qu'il permet de collecter un nombre de travaux, de production tout au long d'un trimestre ou tout au long d'une année. Donc, c'est un processus long et il permet aussi à l'apprenant de voir comment son propre apprentissage évolue. Et donc, beaucoup de systèmes éducatifs maintenant ont recours à ce choix d'évaluation en ligne. Il y a les simulations, le stage par exemple. Alors, pour la communication, si je veux évaluer la communication de mes apprenants, on peut avoir les forums de discussion en ligne. On peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle le photoroman, c'est-à-dire on a une histoire ou une nouvelle à rédiger, c'est un exercice de rédaction narrative à partir des photos. On peut leur demander de faire un poster, du brainstorming, etc. Donc, parmi les avantages des tests automatisés, j'ai commencé par les tests automatisés, mais cela ne veut pas dire que l'évaluation à distance, c'est les tests automatisés. Les tests automatisés sont juste un type de l'évaluation à distance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité de faire et de refaire, c'est-à-dire en nouvelle tentative. Et en fait, je trouve que c'est très motivant pour les élèves. Je vais être un petit peu indiscrète et dire, par exemple, l'expérience de mes filles. Ma fille en enseignement primaire, donc quand elle a sur la plateforme un exercice, elle a 4 sur 5 ou 4 sur 7, elle a toujours cette envie-là de refaire la tentative
parce qu'elle veut avoir son 5 sur 5 ou 7 sur 7, surtout s'il y a des émoticônes, des bravos, des applaudissements. Et donc, c'est motivant d'avoir cette possibilité. Il y a la possibilité, lorsqu'on programme un test en ligne automatisé, de préciser quand le test va être affiché et quand le test ne doit pas être affiché. On peut préciser la durée, c'est-à-dire je vais donner un test et je vais donner 10 minutes maximum ou 20 minutes pour que ce test doit être réalisé. Les possibilités de correction automatique, c'est-à-dire on a toujours cette possibilité d'avoir un feedback immédiatement après avoir terminé. Et on a cette option de voir les réponses. La crédibilité. Et donc, il faut être un petit peu vigilant sur ce terme de crédibilité. Qu'est-ce qu'on entend par crédibilité dans un test automatisé? C'est-à-dire, quand on a plusieurs copies, nous, en tant qu'enseignants, il y a toujours un risque d'erreur dans la correction. Même si je connais la bonne réponse, comme je suis un être humain, comme il y a beaucoup d'éléments externes, le stress, le temps, etc., je peux commettre l'erreur de ne pas corriger une question, d'oublier de faire le dernier calcul, etc. Et donc, ce risque est minimisé quand on a affaire à une évaluation en ligne, surtout dans les tests automatisés. Et il y a la possibilité d'évaluer de grands groupes. J'ai parlé tout à l'heure du TOEFL, c'est un test qui est que des milliers de personnes passent à travers le monde. Et donc, c'est le même test. Donc, c'est automatisé. On a la possibilité d'administrer le test à un public plus large. Encore parlons des avantages de ces tests. On parle de standardisation. Justement, on peut reprendre l'exemple du TOEFL ou tout autre exemple de test de langue. La standardisation, on n'a pas l'inquiétude que peut-être les gens d'une certaine région ont passé un test plus difficile, différent des autres. Donc, on peut avoir le même test planifié. Et ça me rappelle aussi, dans notre perspective en tant qu'enseignant, les certificats MOS qu'on a eu, c'est le même principe de standardisation, c'est-à-dire on a le même examen que tout le monde à travers, tous les bénéficiaires vont avoir à faire à ce test-là. Il y a la possibilité d'avoir une banque de questions ou de ressources, c'est-à-dire c'est toujours utile pour un enseignant de retrouver une banque dans laquelle il peut puiser pour prendre, pour s'inspirer des éléments. Il y a l'évaluation de certaines compétences, comme j'ai dit, collaboration. Alors, comment évaluer la collaboration et pourquoi la collaboration? Je parle sur ce point. Je vais m'attarder un petit peu sur ce point parce que la collaboration, elle est importante. Et généralement, quand on demande à nos élèves en classe de collaborer sur un projet, des fois, même par exemple, si je leur donne un exposé à préparer, alors il y a un groupe de 4-5 personnes, ils vont préparer, on ne sait pas comment ils préparent. Et donc, quand ils viennent, il y a l'élan écrit et ils sont en train de dire, voilà, c'est notre travail, on va le présenter. Donc, on ne sait pas vraiment qui a fait quoi. Et on n'a aucune preuve que ce travail est le fruit d'une collaboration réelle. Alors, par contre, quand on est sur une évaluation en ligne, on peut suivre le parcours ou le travail de chacun des apprenants grâce aux outils, grâce à la traçabilité de ces outils. Donc, il y a les forums de discussion où chacun doit poster, écrire un post ou rédiger un post. Chacun doit rédiger un commentaire, donc je sais qui a fait ça et qui a écrit ça. Il y a par exemple sur les outils de collaboration en ligne, par exemple les Google Docs, et il y a l'historique qui me permet de voir le travail de chaque apprenant. Il y a par exemple aussi quelques logiciels comme Etherpad et d'autres, bien sûr, qui donnent exactement, avec différentes couleurs, la participation que chacun a fait sur un travail donné. Et donc, le suivi de la collaboration ici est plus, je dirais, plus transparent. Alors, l'évaluation par les pairs. Justement, quand on est en classe et je veux donner, par exemple, un produit, writing, une rédaction écrite, à mes élèves, et pour les encourager à corriger les fautes, chacun corriger les fautes de l'autre. Donc, je lui dis, voilà, j'écris la checklist ou la grille d'évaluation, les critères
au tableau. Et donc, je leur demande d'échanger leur production écrite et les corriger. Donc, il y a une limite à ça. C'est-à-dire, une personne peut échanger avec une, deux à trois personnes au maximum. Des fois, ce n'est pas faisable. Les enseignants savent cela complètement. Alors qu'en ligne, on n'a pas cette contrainte de lieu et de temps. Et donc, cet échange et cette évaluation par les pairs peut se développer plus facilement. Les avantages aussi, c'est le suivi des traces. C'est-à-dire qu'il y a un historique et je peux voir l'évolution de l'apprenant. Combien il a eu dans le premier test, le deuxième, s'il y a une absence, c'est-à-dire s'il y a une difficulté, je peux analyser les traces et en tirer des conclusions que je peux utiliser pour améliorer les apprentissages en tant qu'enseignant. Il y a ce phénomène de learning analytics. Alors, pour le learning analytics, malheureusement, au Maroc, on n'a pas encore développé assez d'outils d'analyse pour l'apprentissage. Même si j'ai remarqué dans cette période de confinement que beaucoup d'établissements ont recours à des plateformes d'apprentissage. Mais c'est un petit peu remplacer le mode présentiel par le mode à distance, vu le confinement. Mais il n'y a pas vraiment une activité de conception et de design qui permet d'utiliser les analytics que produisent ces plateformes d'apprentissage et qui sont vraiment très, très riches. Et on en a besoin pour analyser et améliorer l'apprentissage. Je peux aussi ajouter le rôle de l'intelligence artificielle. On pourra imaginer dans un certain temps que ce processus de correction, de rédaction, d'individualisation de parcours puisse être, je dirais, partiellement automatisé grâce à l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les contraintes et les barrières? D'abord, comme dans la formation à distance, l'évaluation à distance doit aussi répondre ou relever aux défis de la formation des enseignants. Donc, les enseignants doivent avoir quelques concepts clarifiés pour qu'ils puissent entamer avec courage, avec succès, cette évaluation en ligne. Donc, ils doivent connaître quels sont les objectifs et les types et les outils qu'ils peuvent utiliser, quelles sont les modalités. Et cette formation est aussi bénéfique aux apprenants, aux utilisateurs, parce qu'il faut faire attention. On peut avoir un apprenant qui va avoir une mauvaise note, non parce qu'il n'a pas acquis les connaissances ou les compétences nécessaires, mais parce qu'il a simplement n'a pas eu l'occasion de s'approprier les outils qu'il doit utiliser pour l'évaluation. Et ce n'est pas équitable à ce sens-là. Quelques contraintes également, les coûts, parce que quand on parle d'installation de plateformes, logiciels, etc., il y a des coûts à ça. Il y a les défis de sécurité de données dans les ENT, c'est-à-dire les environnements numériques de travail ou d'apprentissage, les LMS en général, les plateformes d'apprentissage. Donc, il y a toujours ce défi de sécurité de données. Comment sécuriser les données de tous les utilisateurs, que ce soit le cadre administratif, que ce soit les enseignants ou même les apprenants. Le problème majeur de l'évaluation, d'ailleurs, c'est un problème majeur comme pour l'évaluation classique, que l'évaluation en ligne, c'est la tricherie. Comment s'assurer que cette personne-là qui est devant nous, devant un écran, n'a pas utilisé, n'a pas recouru à une aide non autorisée pour réussir son examen. Il y a aussi le problème de plagiat, le copier-coller, sans citer les références, etc. Il y a le problème d'appropriation d'outils, et ceci est valable aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Il y a ce problème d'interopérabilité des systèmes et le transfert des données. C'est-à-dire, est-ce que nous, maintenant, je suis en train d'essayer d'innover ma pratique d'évaluation. Je vais administrer, par exemple, quelques tests. Est-ce que j'ai des plateformes pour l'évaluation qui sont déjà là, sécurisées, où je peux réaliser l'évaluation? Est-ce que je peux transférer les données de ces plateformes, par exemple, disons Teams, qui est disponible maintenant de façon officielle? Est-ce qu'il y a un moyen de diffuser ou de transférer les données de Teams aux données de Massad, par exemple, pour la gestion des notes? C'est juste un exemple.
Et il y a surtout le problème de connexion, la stabilité de connexion, la disponibilité. On peut avoir tout d'un coup une panne d'électricité, de connexion, et donc l'évaluation échoue. Alors, pour conclure, je commence par certaines propositions pour être optimiste. Il faut minimiser les possibilités de tricherie. Et comment peut-on minimiser les possibilités de tricherie? Donc, dans la conception d'évaluation, on doit concevoir des activités d'évaluation qui ne sont pas, par exemple, du simple recall d'informations, c'est-à-dire de se rappeler un niveau bas de la taxonomie de Bloom, c'est-à-dire les questions, voilà, c'est quoi ça, définis ça, etc. Donc, parce que ces questions-là favorisent cette action de tricherie. Il y a l'idée que j'apprécie beaucoup, l'idée du Open Books. Alors, le Open Books, comme vous savez, on propose aux apprenants de faire une activité avec de l'aide, il y a de l'aide, mais on cible de nouvelles compétences. C'est-à-dire, ils ont toutes les informations nécessaires devant eux, mais on leur demande d'analyser. Et chacun analyse à sa façon. Donc, il n'y a pas de possibilité de tricherie dans cette question. Il y a le recours au centre certifié, c'est-à-dire je peux avoir une formation, toute une formation en ligne, mais le jour où je vais avoir le test pour avoir mon certificat, je dois aller à un centre certifié. Par exemple, on a l'exemple des CertiPort pour les tests Microsoft que les enseignants connaissent. Il y a des campus numériques, par exemple, pour faire sa soutenance de thèse, sa soutenance de mémoire en visioconférence ou pour d'avoir des tests finaux de par exemple, un test de master, etc., on peut être sollicité à aller à un centre certifié pour passer justement ces évaluations. Et aussi, on peut avoir des projets et énoncés personnalisés, c'est-à-dire chacun a des questions selon le type de formation qu'il a. On est dans la même classe, mais on peut avoir des projets différents et des énoncés personnalisés. Ceci aussi permet de justement éviter et minimiser les possibilités de tricherie. Donc, ma réflexion finale, c'est que le passage de l'évaluation classique à l'évaluation en ligne nécessite d'abord l'appropriation des outils. Donc, on ne pourra jamais réussir notre quête, notre désir de réussir le parcours de cette évaluation en ligne si les personnes ou les utilisateurs ne s'approprient pas les outils nécessaires. Il est aussi question de développer une culture du web, une culture du numérique. Les valeurs sociales, tricherie ou pas tricherie, c'est un concept qu'on doit aussi adresser par l'intermédiaire de la sensibilisation et de reprendre les valeurs de notre société. Il faut réinventer et repenser l'évaluation et ne pas reproduire les mêmes pratiques avec la technologie. Et ça, c'est un souci vraiment important parce que des fois, on croit que j'ai le même test, je vais le prendre et le mettre en ligne. L'évaluation en ligne a des possibilités énormes. Il ne faut pas se limiter à l'outil. On ne voit que l'outil, c'est-à-dire j'ai le même test, je vais le mettre sur Word ou sur n'importe quel questionnaire, Google Form ou test. Et voilà, je suis en train de parler de l'évaluation en ligne. Et finalement, on peut aussi impliquer l'apprenant. Parce que dans notre système, comme dans beaucoup de systèmes, on sent toujours que l'évaluation, c'est l'affaire de l'enseignant, de l'institution. Mais l'apprenant n'est pas vraiment impliqué dans ce processus d'évaluation. Et quand on apprend à l'apprenant qu'il est c'est celui qui est intéressé par l'évaluation, par le concept d'auto-évaluation, on est en train de développer l'autonomie de l'apprenant et c'est une quête, comme a déjà dit M. Rzoghi dans son intervention mercredi. Donc, c'est aussi un but, c'est aussi une finalité, pouvoir développer l'autonomie de l'apprenant. Et avant de vous remercier, « The art of teaching is the art of assisting discovery ». Tous les enseignants sont là pour découvrir. Et je crois que l'évaluation à distance, d'ailleurs comme l'enseignement à distance, est un terrain très fertile dans ce sens-là. Il y a plein de découvertes encore à faire. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à M. le directeur
mon cher collègue, M. Sifdin. Merci à vous. Monsieur Sifdin, à vous la parole. Est-ce que je suis bien reçu? Oui. Merci, professeur Kramstrel. Je vous remercie infiniment d'avoir réussi le concours en adoptant une stratégie permaphilosophique. C'était un bon voyage à travers le conceptuel, l'informationnel et l'émotionnel. La référence était très académique. Les références dans lesquelles vous avez réussi à puiser l'information sont de qualité et sont aussi incontournables. C'est vrai que tout au long de votre discours, vous avez normalement essayé de mettre en évidence, en clarté, le côté conceptuel de l'évaluation, la brèche existante entre le modèle anglo-saxon et le modèle francophone. Vous avez abordé aussi la typologie, le schéma évaluationnel adopté dans toutes les études pédagogiques et éducatives, en passant par les outils, en établissant la comparaison entre l'évaluation classique et l'évaluation à distance, mais une piste des deux à travers des chemins qui divergent relativement, qui convergent totalement avec quelques nuances, vers satisfaire le besoin évalué, connaissance, maîtrise, habileté et compétence chez l'apprenant. Alors, pour ne pas m'attarder, je dirais tout simplement que ce que vous avez abordé généralement, c'est très intéressant et c'est vraiment très important. Et pour ne pas m'attarder en tant que modérateur, je devrais normalement passer la main et ça sera bien partagé avec le public. J'ai là recensé énormément beaucoup d'intérêts. Il y a beaucoup de personnes à travers le cercle de vos connaissances d'ailleurs qui souhaiteraient normalement interagir. Et je vais commencer par la première question qui m'était arrivée, c'était de M. Khalid Mounir. La question est la suivante. Comment peut-on instaurer une évaluation à distance tout en garantissant le mérite? Et là, c'est vrai, le mérite de l'apprenant en général. Et en même temps, proposer des modèles. Est-ce que vous avez noté, professeur? Oui, je suis en train de le faire. Merci. Alors, je passe à la seconde question. Je vais aborder 5 questions. Je vous donne la parole. Et après, d'accord. Je vais encore parler avec les intervenants. La Monsieur seconde question, Sifdin, si vous permettez, vous pouvez reprendre la première partie de la question, s'il vous plaît. Alors, la première de la question, c'était comme ça. Comment instaurer une évaluation à distance fiable qui garantit le mérite et proposer en même temps des modèles d'évaluation à distance pour chaque niveau? La seconde question vient de M. El-Mahri. Alors, de son côté, il s'interroge de la manière suivante. Que selon lui, l'évaluation à distance n'exprime pas le vrai niveau de l'apprenant. Ça veut dire qu'il n'est pas normalement bien adapté, il a des limites, et qu'il n'est pas normalement suffisant pour réellement évaluer le niveau d'un apprenant. La troisième question vient de M. Barak Bako. C'était sur les outils numériques auxquels on fait appel pour évaluer les apprentissages des apprenants. Les outils numériques auxquels normalement on fait appel en mode d'application d'évaluation pour évaluer les apprentissages chez les apprenants. Alors, je me contente de cette question et je vous passe la parole pour réagir et après, je reviendrai chez le public. D'accord. On fait comme ça? Oui, okay. Parfait. D'accord. Merci d'abord. Oui. On vous écoute. Comment? Oui, allez-y. Alors, je remercie l'audience pour son intérêt. Pour l'intérêt qu'elle a porté à ma présentation, à ma modeste présentation, bien sûr, je suis en train de chercher, moi aussi, je suis en train de porter ma réflexion, d'apporter ma réflexion avec vous.
sur l'évaluation en ligne, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant qu'enseignants. Et donc, pour M. Khalid Mounir, instaurer une évaluation à distance qui peut garantir le mérite. Et justement, parce que parmi les critères de l'évaluation, il faut avoir cette transparence. Donc, pour transparence, il faut lier la performance de la personne évaluée au résultat qu'elle a eu. Et donc, c'est pourquoi j'ai parmi les choses que j'ai proposées, c'est avoir cette évaluation dans des centres, par exemple, certifiés. Donc, on n'a pas vraiment ce... Parce que parmi les problématiques de l'évaluation, c'est la tricherie. Et donc, quand une personne est devant l'écran, on ne sait pas vraiment si cette personne-là a réalisé ce quiz ou ce test elle-même, ou si elle a recouru, même elle-même, si elle a recouru à l'aide non autorisée, etc. Donc, parmi les choses que j'ai proposées, pour garantir justement le mérite, c'est avoir cette chance équitable de pouvoir passer le test en ligne, mais dans un endroit, par exemple, comme un centre certifié. Ça, c'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Par exemple, si je parle de la simulation, il y a, par exemple, des outils où l'accès à la forme d'évaluation doit dépendre d'une connexion qui est de bout en bout, c'est-à-dire chiffrée. Et donc, avant qu'on dévoile les questions, avant de dévoiler les questions, par exemple, à l'apprenant, on s'assure d'abord de son identité. Il y a un mot de passe, il y a quelques mesures de sécurité. Et bien sûr, le timing, quand on lui donne le test, on ne donne pas avec un excès de temps qui pourra lui permettre de recourir, de demander à certaines personnes de l'aide, etc. Donc, on a intérêt à faire des évaluations sur mesure, si vous voulez dire. Donc, pour proposer des modèles à chaque niveau, pour la deuxième question, proposer, ou c'est peut-être la même question, proposer des modèles à chaque niveau, bien sûr, je vous joins dans cet aspect-là, parce qu'on a besoin d'une équipe de conception. Le travail en équipe est toujours plus efficace que le travail en individuel, parce qu'il y a une richesse, il y a une contribution, il y a une intelligence collective, il y a la contribution de plusieurs points de vue, et donc ça permet justement d'améliorer. Ce que je propose, mais je ne suis pas une experte dans le domaine de l'évaluation pour le dire, c'est une simple proposition personnelle et subjective bien sûr, c'est que dans un groupe d'enseignants d'un même niveau, on peut regrouper ces enseignants s'ils ont les compétences techniques essentielles pour qu'ils puissent repenser l'activité d'évaluation classique en modèle d'évaluation en ligne. Et donc, je vous resserre toujours au tableau que j'ai présenté pour choisir les outils selon le niveau. Parce que quand vous parlez des niveaux, et votre question est justement pertinente, on ne peut pas donner à un apprenant en primaire de rédiger une revue de littérature. D'accord? Ou, par exemple, on lui demande de rédiger un mémoire de fin d'études ou un mémoire de stage. Donc, cette question d'adaptation au niveau est importante. Pour la question, M. Elmore, elle n'exprime pas le niveau de l'apprenant. Pour moi, croyez-moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Ça dépend du degré d'authenticité et des conditions ambiantes de cette formation ou de cette évaluation en ligne. Parce que je peux vous dire que je serai un petit peu personnelle, je partage une expérience personnelle. J'ai fait un master en ligne. Et dans ce master en ligne, on était différents. Et un des professeurs nous a assigné des énoncés différents selon le sujet de recherche de chacun de nous. C'est-à-dire, il a pris le nom de mon sujet de mémoire et il a demandé une question sur mon sujet. Sur l'autre apprenant, il a demandé une question différente. Et donc, même si on essaye de collaborer entre nous en tant qu'étudiants, on n'arrive pas à reproduire les mêmes réponses parce qu'on a affaire à des énoncés différents. Et des fois, ça permet de voir vraiment le mérite. C'est justement, il est question de voir les outils. On ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser et dire que parce que c'est en ligne, ça ne peut pas vraiment garantir le mérite. Et même des fois, je vais vous poser la question différemment.
Est-ce que vous pouvez garantir le mérite quand c'est en classe? Vous pouvez garantir les résultats à 100%. Donc, il y a toujours une marge. Il faut éviter de généraliser, que ce soit pour l'évaluation en ligne ou l'évaluation classique. La dernière question, je me demande où je l'ai notée, les outils numériques auxquels on fait appel. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs outils et cela dépend bien sûr de notre objectif. Donc, si mon objectif est de la production et la collaboration, je peux, par exemple, donner à mes élèves un lien sur Google Doc, je leur donne un énoncé et je leur demande de collaborer sur ce travail. Ils vont écrire, chacun va apporter sa contribution au travail et je peux l'évaluer. Mais tout dépend de l'objectif d'évaluation et de mon intention, d'abord. Donc, je vous réfère au tableau que j'ai partagé avec vous lors de la présentation, parce qu'il y a plein d'outils numériques sur ce aussi bien sur le document. Merci. Merci, professeur Ekrab. C'était très élargi et en même temps convaincant. De mon côté, je l'ai senti comme ça. Je voulais normalement exploiter le temps qui nous reste avant la fin de la séance et normalement permettre à beaucoup de nos chers téléspectateurs qui essaient de poser leurs questions. Je vais commencer par M. Benjaoui, Khalid, salut d'abord d'ailleurs. Pour notre collègue, il s'interroge ainsi. L'évolution en ligne, le cas du Maroc, se limiterait à la validation des connaissances et ne peut être un outil de prise de décision. La seconde question vient de Sana Blarbi. La question elle est double. D'abord, il s'interroge d'un côté sur le critère pour l'évaluation d'un cours à distance. Parce qu'on parle d'évaluation, est-ce qu'il y a un outil d'évaluation d'un cours à distance? Et la seconde partie de ce questionnement, très intéressant d'ailleurs, est-ce qu'il y a un cours d'apprentissage à distance? Est-ce qu'il y a vraiment de l'apprentissage à distance? Il y a encore une question de Sable Kvir. Il est en train de s'interroger sur le lien entre l'évaluation et le bien-être. Parce que, moi je peux défendre ce point de vue, l'évaluation actuellement dans l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord, l'outil de notation actuellement, il est banni. Normalement, on a essayé normalement de l'écarter parce que ça fragilise, ça affaiblit, et ça met en doute les compétences de l'apprenant. Donc le fait de bannir la notation, ça donne normalement une ouverture de l'esprit de l'apprenant, il devient beaucoup plus actif et beaucoup plus motivant à donner. La quatrième question plutôt, vous notez, professeur? Oui. Je vais chez M. Abdelkrim, il a dit le wiki est un moyen efficace pour évaluer la collaboration de chaque collaborateur au sein d'un projet, au sein d'un travail collectif. Il y a ma dernière question qui vient de notre collègue Naïm Slimani. La question est la suivante. La clé de la réussite d'une bonne évaluation est de commencer par la fin. C'est-à-dire de finir précisément, bien entendu, de pouvoir les répondre brièvement avant la. Oui, à vous la parole, professeur. J'ai raté la question de Madame Slimani. Donc, je vais la reformuler. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit notre collègue Naïm Slimani? La clé de la réussite d'une bonne évaluation, pour elle, c'est de commencer par la fin, c'est-à-dire de définir précisément les finalités attendues de la formation. Alors, c'était ça son questionnement. D'accord. Donc, on commence par la question sur les critères d'évaluation. C'était la question. Il y a la question de M. Benjaoui, la question de Sana Blarbi, la question d'Abd Kbir et la question de Naïma Slimani. D'accord. La première, c'est celle qui portait sur. C'est de M. Benjaoui. Elle porte. Je vais lire la question. Elle a dit que l'évolution en ligne, le cas du Maroc, se limite à la validation des connaissances.
tout simplement, il ne peut guère, normalement, être conçu sous forme d'un outil de prise de décision. Oui. J'ai essayé de reformuler si j'arrive à le faire. Je rejoins si Jaoui dans sa réflexion. Si vous vous rappelez de la dernière slide, j'ai dit qu'il fallait repenser l'évaluation et qu'il faut éviter de faire l'évaluation classique avec un moyen technologique. Si je devais dire ou critiquer quelque chose dans les formes d'évaluation qui sont très courantes dans le système éducatif marocain, c'est qu'ils sont toujours, s'adressent toujours au bas niveau de la taxonomie de Bloom, c'est-à-dire il y a la reproduction, se rappeler. Et donc, de la validation des connaissances, je suis d'accord, et elle ne peut être un outil de prise de décision dans ce sens-là. C'est-à-dire, si on arrive justement à améliorer la façon de la conception de l'évaluation en ligne, ça nous permettra par contre de prendre des décisions adéquates. Et je crois que Sibé Jaoui, il est familier avec l'utilisation des MOOC. Et donc, dans les MOOC, on a cette expérience de test diagnostique, les prérequis, la vérification. Et donc, l'individualisation du parcours. Et donc, on peut orienter un apprenant sur la base de ses résultats d'évaluation. Donc, je pense que la prise de décision, oui, relativement, dans notre contexte, c'est assez limité. Parce qu'il y a vraiment validation des connaissances et non des compétences. Je suis d'accord sur ce point. Alors, pour Madame Sana Blarabi, il y a des critères d'évaluation. Bien sûr, les critères élaborés, je pense, par Leroux et Belair en 2015, il y a certains critères de validité, de fiabilité, de transparence, de vigueur, etc. Mais les critères spécifiques à chaque cours, cela dépend des objectifs du cours, justement. Donc, on ne peut pas élaborer des critères génériques qui peuvent faire l'objet ou qui peuvent être appliqués à n'importe quel cours. Pour sa réflexion sur est-ce qu'un cours d'apprentissage à distance existe, je pense que oui. Je pense que oui. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire ou de prétendre qu'au Maroc, on a réussi l'enseignement à distance parce que justement, les contraintes de cette implémentation des stratégies d'enseignement à distance n'ont pas été faites en tant que stratégie, en tant que politique. C'était un petit peu une obligation. Donc, une obligation vue la contrainte du Covid, la contrainte du confinement. Et donc, l'apprentissage à distance, il existe, il est très, très bien utilisé dans d'autres pays et personnellement, j'en ai bénéficié et je pense que nos élèves, nos apprenants, nous tous en tant qu'enseignants, qu'apprenants, comme on dit en anglais, lifelong learners, parce qu'on apprend durant toute nos vies, on a droit à cet apprentissage à distance. Je suis une adepte et je défends fort notre droit à l'apprentissage à distance. Bien, c'est un point de vue. Pour la réflexion de M. Blikbir, je pense, sur l'évaluation et le bien-être, c'est ça? Donc, effectivement, j'ai toujours remarqué que l'évaluation, c'est la chose qui fait le plus peur aux apprenants. Et justement, Monsieur Abdelkibir, justement, et juste, pourquoi ça? Parce que déjà, l'évaluation est un ressenti négatif aux apprenants. On va réussir, on va échouer. Il y a cette phase ou ces décisions assez importantes dans la vie d'une personne. L'évaluation, c'est ça. On prend l'évaluation dans notre tête, en tant qu'un outil qui nous permet de nous améliorer. Parce que justement, le système donne beaucoup plus d'importance aux notes et aux résultats qu'au processus de l'apprentissage lui-même. Et donc, les attentes des familles, il faut annoncer cela. Les familles ne disent pas à leurs enfants « qu'est-ce que tu as appris ?» mais « combien tu as eu comme note ?» Donc, c'est tout un système, c'est toute une mentalité qui est axée sur le produit, pas sur le processus. Si on avait pensé l'évaluation comme un outil
d'apprentissage qui peut nous servir à vie, c'est-à-dire on va développer l'auto-évaluation, l'auto-régulation de l'apprentissage, on aurait vécu nos évaluations avec un peu plus de bien-être. Donc, c'est ça ma réponse. Et justement, il faut vivre cette évaluation sans stress. La dernière réflexion, je pense, c'était sur le wiki. Et donc, je suis tout à fait d'accord, le wiki comme outil de discussion, comme outil de collaboration en ligne est très important. En réponse à Madame Slimani, que je remercie et salue, dans la même perspective, la clé de la réussite est de commencer par la fin. Déjà dans le processus que je vous ai montré, dont je vous ai montré le schéma, il est toujours question d'un processus itératif. C'est-à-dire, on commence par définir les objectifs, les contenus et les intentions, et on revient vers le point de départ à la fin. Quand on prend une décision, c'est-à-dire on va reformuler nos objectifs, les modifier, décider des remédiations, etc. Et donc, je suis parfaitement d'accord sur ce point. Merci. Merci, professeur. Donc, il y a un intérêt qui s'accroît d'une minute à l'autre. Ça veut dire que la motivation commence à être largement partagée entre votre conférence et l'auditoire. Et moi, j'aimerais aussi apporter un plus en élargissant votre contribution et m'interroger de la manière suivante. C'est que tant que l'évaluation est orientée vers l'apprenant, là, normalement, on perd beaucoup de choses. Parce que si on interroge le comment, on interroge aussi normalement le résultat. Donc l'élève ou bien l'apprenant, qui est d'ailleurs un enfant, un citoyen social, au sein de la famille, on attend qu'est-ce qu'elle a normalement acquis. Et l'acquis, normalement, devrait être validé sous forme d'une note. Ça, normalement, nous devrons normalement réinterroger cette manière d'évaluation. Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'elle a l'essentiel pour l'évolution d'un enfant? C'est la joie, c'est le bien-être. Et je rejoins mon collègue quand il a dit, le bien-être, normalement, l'évaluation, nous devons la revoir parce qu'il l'élargir. Évaluer le prof, l'institution, l'espace, les programmes, la méthodologie, la pédagogie et l'élève. Alors, il faudrait normalement que ce cadre devrait être partagé proportionnellement entre beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes qui devraient normalement être la finalité de cette évaluation. Je reviens à mes collègues ici qui sont impatients normalement de poser leurs questions. Je vais commencer par question à distance. À quel point tient compte des apprenants? Monsieur Siftine, on ne vous entend pas? Ok, alors, donc. C'est normal, il y a une copie de connexion parce que tout le monde est connecté. L'usage de l'Internet maintenant est massif, donc normalement, les coupures sont attendues prévisibles. Alors, je reprends la question je vais avec une autre question, je reviens avec ce que tu viens de poser. Regardez ici, M. Hassan Azel, qu'est-ce qu'il dit? Jacques Tardif a parlé de l'évaluation des processus et non seulement des résultats. C'est ce qui fait défaut à notre système scolaire. Alors, lui, il s'interroge comme ça. Vous avez noté? Oui, parfait. Je vais maintenant à la question de M. Al-Alami Al-Arbi. Est-ce que cet apprentissage à distance va réussir à l'école du monde rural? La prochaine question, c'était de notre collègue Halima Al-Bouch. Peut-on reprendre toutes les formes d'évaluation du présentiel dans la démarche d'évaluation à distance? Peut-on reprendre toutes les formes d'évaluation de présentiel dans la démarche d'évaluation à distance? Ça veut dire réutiliser la modalité évaluationnelle à caractère classique et l'investir dans la modalité évaluationnelle à caractère à distance.
Je vais encore, je reprends la question de Jahah Nadia. L'évaluation à distance, à quel point tient compte des apprenants, surtout leur niveau de compréhension, au cas de la différenciation? Donc, il faudrait évaluer, nous avons le cadre de la différenciation, et on aimerait évaluer, par exemple, l'acquis ou bien la performance de la compréhension de l'oral. Je pense, la compréhension de l'oral, donc c'est toujours l'oral. Une dernière question avant de passer aux autres. C'est Abdelkrim Benkhdeb. Il a dit, repenser, c'est le mot-clé d'approcher cet enseignement en ligne. Repenser, c'est le mot-clé d'approcher À vous la parole, professeur. Ok. D'accord. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont intéressées et ont posé ces questions. Je commence par la question de Monsieur Ezel. Donc, Monsieur Ezel, que je salue. Donc, c'est une personne qui est également experte dans l'enseignement à distance et on a eu l'expérience commune de faire le même master en ligne. Et donc, il connaît les modalités de la formation et de l'évaluation en ligne. C'est pourquoi, bien sûr, il a apporté cette réflexion sur Tardif qui a effectivement parlé du processus plutôt que des résultats. Et donc, si le but est la formation, c'est-à-dire on veut une évaluation qui se veut formative et non seulement certificative ou formative ou pour avoir un certificat ou pour avoir des notes, il faut surtout mettre l'accent sur le processus. Et le processus, c'est un ensemble. Il faut le décomposer et donner à chaque étape tout ce qu'il faut afin de réussir ce processus d'évaluation. Parce que les résultats, finalement, on a beaucoup de résultats ces derniers temps. On a des taux de réussite, mais quand on est en train d'examiner les compétences sur le marché ou les compétences dans un contexte où on veut vraiment tester et mettre en œuvre les compétences acquises, il y a une certaine disparité, il y a une certaine divergence entre les résultats qu'on a et les performances réelles des apprenants. Et donc, je suis d'accord parfaitement avec ce point-là. Pour M. Alami, l'apprentissage à distance va réussir à l'école du monde rural, et c'est une question qu'il se pose. Et bien sûr, ça serait, je dirais, trop prétentieux de ma part si je dis que je suis capable de répondre à cette question. Réussir ou ne pas réussir, il faut d'abord produire les conditions nécessaires pour que cet apprentissage en premier lieu, l'apprentissage à distance, puisse avoir lieu dans le monde rural. Après, on peut passer à l'évaluation. Donc, puisqu'on a des contraintes, et je sens que M. Alami a une certaine conception d'un monde rural que peut-être je n'ai pas. Donc, on a une conception du monde rural, c'est les difficultés de connexion, les difficultés techniques, les fautes de moyens financiers pour acheter de l'équipement. Et donc, c'est un questionnement assez légitime. Mais je ne peux pas me permettre de répondre à cette question par oui ou non. Ça dépasse mon niveau d'expertise et de compétence. Pour ce qui est de notre cher Hakima, reprendre les formes d'évaluation du présentiel dans la démarche à distance, je pense que oui. Si le but est de reprendre, je pense en termes d'outils, c'est faisable. Mais écoutez, Hakima et tout l'auditoire, bien sûr, ma propre réflexion sur la chose, c'est que quand j'ai deux choix, l'utilisation de la technologie et l'utilisation de l'environnement classique, il faut que quand j'aille recours à la technologie, c'est qu'il doit y avoir un apport. Donc, mon question, c'est pas que je suis en train de répondre à votre question par une question, mais je me permets de me demander si je dois reprendre les mêmes types d'évaluation, à quoi le recours à la technologie, c'est-à-dire concrètement et en termes d'outils, techniquement parlant, c'est faisable. C'est faisable. Mais l'utilité d'une démarche pareille, d'une telle démarche,
avec les coûts, ça va, parce qu'il faut toujours tenir compte des coûts, des contraintes. On a parlé des contraintes techniques, des contraintes de moyens, etc. Donc, on doit poser la question de cette façon, c'est-à-dire, oui, je peux reprendre les mêmes formes d'évaluation de présentiel, même quand on parle de pouvoir réciter. C'est-à-dire, vous pouvez avoir devant vous, devant un écran, un apprenant et vous le regardez en face sur une caméra et vous lui demandez de réciter. C'est faisable. Mais quelle est la valeur de la technologie dans ce contexte? À moins qu'il y ait un problème, par exemple, cette personne est hospitalisée, elle n'a pas comment accès à l'école, et, entre autres. Donc, c'est une des possibilités. Pour Madame Nadia, à quel point tient compte des apprenants, surtout le niveau de compréhension dans le cas de la différenciation? Oui, s'il y a une bonne conception, si on parle d'abord de l'évaluation diagnostique, on est en train de… Voilà, j'ai parlé de diagnostic et pronostic. Donc, pronostic, ça permet justement à l'enseignant de vérifier le prérequis. Et donc, quand on vérifie le prérequis, on peut proposer des parcours ou des exercices différents. Je pense que les enseignants font ça, même au primaire, par exemple. Même s'il y a… on sait qu'au primaire, il y a beaucoup de difficultés parce que les élèves… si on parlait des stades de développement cognitif de Piaget, il y a encore en cours de développement de leur capacité. Mais on peut proposer de la différenciation. Justement, j'ai parlé tout à l'heure, surtout en ligne, on a la chance d'avoir des outils inspirés de ce qu'on appelle « adaptive learning ». On a les techniques de l'intelligence artificielle qui vraiment permettent de bien diagnostiquer les parcours et proposer des parcours assez précis, assez adéquats pour chaque niveau d'étude. Donc, j'espère pouvoir répondre à votre question. Pour c'est Karim, que je salue comme collègue et enseignant d'anglais, repenser, c'est le mot-clé, exactement. Repenser, oui, parce que si on commence par une idée. Toutes les grandes choses, les grands projets commencent par une idée dans la tête, ça, l'effort de conception. Et moi, je suis une personne qui croit en la capacité des enseignants, des apprenants à être créatifs. Donc, quand on repense, on trouve des solutions à tous les problèmes. Et j'espère aussi que ça va être le cas pour l'enseignement, la problématique de l'enseignement à distance au Maroc. Merci, professeur Frère Ikram. Je reconnais la richesse discursive à travers laquelle vous avez réussi excellemment à contourner la thématique très complexe, une thématique normalement qu'on quiz massivement actuellement et que… Oui. Juste pour l'anecdote, vous êtes en train de me faire une évaluation en ligne? Non. Non, c'était pas dans ce sens-là. J'étais simplement… Non, je rigole. En toute sympathie, je reconnais en vous la maîtrise de la chose. Et je devrais normalement la mettre en évidence et la reconnaître. Bon, et c'est mon devoir quand on commence à l'heure. Normalement, je me soumets normalement à une technique, ce n'est pas évaluationnel, mais tout simplement, je reconnais la qualité et la maîtrise de la chose. Et je devrais le dire. Donc, on vous remercie une deuxième fois de nous avoir normalement nourris. Et en même temps, su comment normalement débattre une telle thématique qui pourrait paraître assez facile, mais en profondeur, elle est très complexe. Et vous avez normalement puisé d'un arsenal conceptuel adapté, structuré, et tout était normalement en symbiose. La cohésion était ressentie, la compréhension était tangible, et en même temps, il y avait un jaillissement d'un plaisir de compréhension. Alors, avant de vous donner la parole, en quelques minutes, je remercie également tout l'auditoire qui a réagi. Et ils nous ont donné la preuve que l'intérêt, la motivation, l'attention étaient derrière leur réaction. Et cette interactivité, normalement, nous a donné cette possibilité de bien réagir en même temps, de se comprendre et en même temps de rendre les choses plus claires.
Donc, je remercie également l'équipe adventiste avec le travail excellent, le souci méticuleux de l'organisation, la qualité de la synergie qui était derrière. Alors, toute l'équipe adventiste, au nom de M. Razoghi, qui est normalement qui est le grand gérant de l'affaire, et toute l'équipe derrière, je ne pourrais pas tout prononcer tous les noms. L'équipe qui nous ont normalement soutenus tout au long des préparations, il y a Sinabil, il y a Zeno, il y a Sicharkawi, il y a Razoghi. Alors, encore avant de clôturer, je vous laisse l'honneur de prononcer votre dernier mot. À vous la parole, professeur Ekram. Merci, monsieur Siftin. Donc, à mon tour, je ne vais pas manquer l'occasion pour vous remercier en tant que modérateur qui m'a accompagné le long de cette soirée. Et j'ai beaucoup apprécié la modération, le récapitulatif des questionnements avec toutes les interactions de l'auditoire. Et donc, je remercie également l'auditoire pour ces questions assez riches et donc qui prouvent que c'est une problématique qui nous concerne tous. Et c'est une occasion d'apprendre avec vous et de vous. Je remercie également l'équipe technique, M. Razoghi, et tous l'ensemble des membres de l'équipe qui travaillent dans les coulisses. Donc, on ne voit pas les personnes, leurs visages, mais on voit la qualité de travail qu'ils font. Et aussi, je remercie à la fin cette initiative d'avoir ces rencontres en ligne en plein confinement pour nous permettre de s'enrichir et de faire de l'auto-formation dans nos maisons. Merci à vous tous et j'espère que ça a été utile et bénéfique à tout le monde. Je vous remercie. Merci, merci. De notre côté, on vous remercie. Alors, chers auditeurs, nos amis, nos collègues qui nous suivent à distance, mais cependant synchrone d'ailleurs. Donc, à la prochaine rencontre, souhaitons à tout le monde le bon fin de Ramadan, un bon confinement et à la prochaine rencontre, toujours animé et toujours en même temps motivé pour la passion, la joie et le plaisir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.